Le VHA a fait le strict minimum pour se défaire de ce mur en auxois, club de National 1 lors du 4e tour de la Coupe de France. Face à des bourguignons déterminés qui jouent le haut de tableau en N1, les Villeurbanais se sont montrés fébriles, laissant même l'opportunité à ce mur de mener au score à 8 minutes de la fin. Mais Villeurbanne s'est finalement repris pour s'imposer avec seulement 4 points d'écart, 34 à 30. Les coéquipiers de Dragos Moussanou, l'ancien Caladois, ne sont pas passés loin de la qualification. Il nous manque sûrement un peu d'expérience, un peu de banc. Bon, 2-3 ballons qu'on ne met pas au fond et voilà. Il nous manque pas grand-chose en tout cas. C'est notre premier match de l'année, donc il y a eu quelques imprécisions. On n'a pas été très très fort en défense, je pense. Maintenant, on a réussi à l'emporter sur la fin, c'est très bien, c'est un bon match de préparation. Un bon match de préparation, certes, mais pas seulement. Dans le ventre mou du classement en D2, les Villeurbanais ne négligent pas la Coupe de France. On a toujours essayé de faire honneur au maillot dans cette compétition. On a souvent fait des résultats plutôt corrects. Là, on va jouer une équipe de LNH, donc c'est très bien. On va jouer une équipe qui est logiquement plus forte que nous. C'est ce qu'on voulait. En effet, au prochain tour, Villeurbanne affrontera Nîmes le 6 février. Mais avant cela, les hommes de Thierry Perreux retrouveront le championnat à domicile face à Nancy le 30 janvier prochain.